C'est à vous. La même heure s'écoule depuis des décennies. Soudain, la montre de la blonde tomba en panne. Les trois aiguilles ralentissaient. Tout ce qu'elle cherchait, c'était un beau baobab qui allait s'ouvrir si elle rapetissait. Pourtant, la belle est en retard. Le chapelier est fou comme s'ils avaient rancard. Emprisonné entre le R et le U, le lièvre de mars ne sera jamais d'avril. Affamé à l'instant T, le Loir déprime. Mais cette heure ne voit pas la fin du début. C'est l'heure du thé, le temps se dessine ici. Le même fil s'étire depuis des décennies. Pourquoi les rectos sont tous des signes versos? Pourquoi dit-on merci, pas berceau? En faisant rentrer le marsupial dans la théière, le lièvre savait que l'eau serait meilleure. Mais aucun d'eux n'ayant la science infusée, le Loir dort car dans ses rêves y conduit une fusée. En attendant de se prendre un flash pour excès de vitesse, il demeure à l'heure du H. Comme un escalier qui mène vers le mur, le chapelier nous verse des murmures nuls qui font vibrer le fémur, puis les muscles du lièvre. Nostalgique, les souvenirs ABE, c'était juste hier. Ces buveurs depuis 10 ans ont le même âge. Le futur les empêche de faire le ménage. Alors les tasses et les coupes s'entassent. On tourne autour d'un moment sans que le temps passe. Il est l'heure du thé. Alice est en quête. Elle reste bloquée à cette lettre de l'alphabet. Coincée dans une seconde, la petite s'ennuie. Alors qu'elle doit s'en aller avant cette nuit. Elle retourna à la recherche de rien. Puis soudain, la première chose qui lui arriva de bien. Un tronc d'arbre s'ouvrit sans abracadabra. L'imprudente hésita, puis s'y engouffra. C'était l'heure du thé. Le temps se dessine ici. Le même fil s'étire depuis des décennies. Puccino et Imi.